Hey, salut à tous, c'est Fashram, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de The Last of Us. On en est à l'épisode 14. On va essayer de s'y retrouver dans la ville de... C'est Seattle, je pense qu'on est à Seattle. Et on va essayer de se frayer un chemin parmi tous ces petits salopios qui veulent notre peau. Donc ça va pas être simple. Mais bon, voilà, il va y avoir pas mal d'actions dans cet épisode et dans les suivants. Donc j'espère que vous allez kiffer. Je vous rappelle vite fait qu'il y a toujours le lien pour Discord qui est disponible en dessous dans la description. Donc si vous voulez faire un petit tour, me faire un petit coucou, n'hésitez pas. C'est là pour ça. Donc voilà. On va se retrouver tout de suite pour le gameplay, les amis. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et voilà. Bah, c'est tout. Bonne vidéo. Alors, ça commence direct dans le fail, c'est ça qui est génial. Allez. Bon, on en a eu un, mais Ah, purée. Heureusement que la petite est là, à l'air de rien. Merci, merci. Allez, bim, voilà. On les a couchés. Non sans mal, mais on les a couchés. Ouais, c'était cool. C'était cool, elle a assuré la petite. J'étais géniale, non? Elle a assuré la petite. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Des bagnoles, du bordel. On a récupéré un morceau de bois pour latter éventuellement des potentiels ennemis. Ici, on n'a rien de spécial, mis à part une brique. Je pense qu'on est relativement safe pour le moment. Est-ce qu'on pourrait se soigner? Non, je pense. Ouais, allez. On va jouer la sécu, puisqu'on est quand même pas mal dans le stuff et tout. On va pouvoir en refaire un directement derrière. Donc voilà, on peut se la jouer un petit peu plus sécure. Oui, qu'est-ce qu'elle me dit? Grimper sur le bus. Oui, mais oui, je sais, mais je suis en train de fouiller, ma chérie. Je vais revenir à toi dès que je peux. Bon, et si on détendait un peu l'atmosphère? Oui, Bref, quel est le comble pour un facteur? Bah, c'est d'être timbré. Ouais, les grosses têtes, là, c'est bon. Ouais, ça suffit. Philippe Bouvard, là. Oh là là, qu'est-ce que je suis vieux, je balance des références. J'aurais jamais cru balancer une référence à Philippe Bouvard, mais bon. On y arrivera. Alors. Ça fait bizarre de voir un poste de contrôle sans soldat. Ok, stop feeding. Ressemble la plupart des autres. Arrêtez de nous nourrir de mensonges. Donnez-nous des rations. Voilà, donc visiblement, ils les ont laissés mourir de faim. On récupère du stuff, ça c'est toujours cool. Donnez-nous nos rations. D'accord. Visiblement, ça, c'est ce que ça lui produit comme émotion quand elle dit ça. Bon, bah oui. Elle fait de la guitare avec la bouche. Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi ils ont donné à manger? Des fois, ils n'en avaient plus. La plupart du temps, ils la gardaient pour eux. Ok, ça bon. Jamais arrivé à Boston. Mais non. Hein, bah oui, c'est ça. Ça arrivait partout, j'en suis certain. Mais on n'a rien d'autre à récupérer, je pense. Ici, ça a l'air d'être bloqué. Donc, on va continuer et on va monter sur le petit. Ah non, on peut continuer par là. Ok. Je veux dire, on va monter sur le bus, mais en fait, on peut continuer par là, tout bêtement. You will die before we starve. Donc, vous mourrez avant qu'on soit affamé. Ah non, je pense qu'il faut vraiment monter sur le. Ah si, ça passe encore. Ok, c'est pas encore assez rouillé. Mais c'est pas très discret du coup, mais bon. Ok. Pendant qu'on traverse cette zone, ok. Bah, trop tard, on a déjà fait trop de bruit. Normalement, on aurait dû se faire repérer depuis longtemps, là, en fait. Hein. Rien qu'avec ce bruit-là. Mais bon. Allez, on va dire que. Que les mauvais ont une très mauvaise vie. On allait les tomber,
Allez, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu loin, donc... C'est toujours les mêmes conneries. Je sais pas, maintenant qu'on est assez pour garder toutes les sorties, il dit qu'on peut agrandir le périmètre. Et qu'est-ce qu'on va vraiment y gagner? Mais qui est ce boss? Je sais pas, on trouvera peut-être de l'essence pour faire tourner plus de générateurs. J'aimerais bien taper un peu de protecteur. Bon, il y a tout le monde qui parle en même temps. Alors, on regarde un petit peu où sont nos ennemis afin de faire une entrée complètement ratée et complètement pas du tout discrète. Mais bon, allez, on essaye de se la jouer discret, en tout cas dans les premiers temps. On a l'illusion que ça va pouvoir se faire, en tout cas. Alors, on a un ennemi là dans le fond, on a trois ennemis dans l'espèce de gros bâtiment, plus les ennemis qu'on a potentiellement pas découvert. Est-ce que ce serait une bonne idée de le choper à l'arc? Et il est où? Il est où? Il est où? Ah ok, il est là au fond. Est-ce que ça peut le faire? Est-ce que ça va jusque là déjà? J'hésite parce que je sens que à l'arc ça va foirer en fait. Parce que je vais pas les one-shot. Et ils risquent de prévenir leurs petits copains. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, allez. Je sais pas si on va le tenter. On va du moins s'arrêter. S'il faut le tenter, on va s'arrêter. On va attendre le moment où il s'arrête. Non, je pense que ça va. On va essayer de le choper. Voilà, c'est nettement mieux comme ça. Voilà, comme ça au moins, on est sûr qu'il est day say day. Voilà, au moins. Mais non, c'était pas chaud. Tout va bien. On est deux ninjas. Ah merde. Ah merde. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Bon, on enchaîne par un headshot, c'est déjà pas mal. La discrétion. Ok, bon, allez. J'adore parce qu'on se la joue vraiment fufu et tout ça. Et puis, on arrive en plein milieu de où il y a plein d'ennemis, en fait. Donc, on s'est fait vraiment découvrir comme des nouveaux. Bon, c'est pas grave. On va essayer de le choper quand même. Est-ce qu'ils m'auraient perdu? La musique s'arrête, donc ça veut dire qu'ils m'ont peut-être perdu. Ou ils me recherchent, peut-être. À mon avis, ils me recherchent. Mais ils ne savent pas où je suis. Ça, c'est déjà pas mal. On a provoqué un petit peu le... Waouh, voilà, c'est bon, magnifique. Ok, un deuxième en moins. Alors, on va faire le tour par derrière. Ça me paraît pas mal, puisqu'il y a pas mal de choses à récupérer là-bas. Et au fond, il y a peut-être des trucs aussi. Pour le moment, on n'a personne dans le chemin. Ok, on a récupéré une bouteille. Il n'y a rien d'autre ici. Ok, je pense qu'il faut aller dans le gros bâtiment. Pour continuer. Alors, on a un escalier qui mène dehors. On a au moins deux ennemis. Je pense que j'en ai compté trois tout à l'heure. Et à mon avis, des ennemis à l'étage aussi. Plus peut-être des pièces qu'on n'a pas découvertes. Encore. Bon. Allez. On va tenter de s'incruster. Ça m'a l'air assez grand quand même. Je sais pas s'ils sont en mode... Ouais, ils sont en mode recherche, donc... ils sont pas du tout... ils sont pas du tout relaxés, donc... Dès qu'ils vont voir un truc un peu suspect, ils vont nous repérer. Voilà, ok. Je savais même pas que je pouvais les prendre en otage, en fait. Je savais même pas que je pouvais les prendre en otage. Je viens de découvrir quelque chose. Ah merde, ils m'ont repéré du coup. Oh. Allez. Ah merde. On fait de la merde. Voilà.
Ok, un en moins. Le deuxième est derrière là. Bim, super, ça c'est bien joué. Ok, mais on a... J'ai entendu d'autres voix, donc on a d'autres copains qui vont arriver. Oh, allez, je l'avais évité. Merde, j'ai presque plus de vie. Ok. Alors... je sais pas du tout comment je vais m'en sortir. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. J'espère qu'il y a personne derrière moi. Mais non, mais qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous, Ellie? Merde! Oh là là! Mais non, mais dégage! Mais t'es con pour une gamine! Mais non, il va me crever! Ok, allez, on se bat. Ah, le bug! Oh là 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 là, comme je me suis fait, je me suis fait allonger. Mais c'est de la faute d'Ellie, bordel! Elle est passée complètement devant le mon champ de vision. Bon, c'est pas grave. On est potentiellement mieux placé. On est en dessous des escaliers, donc est-ce que ce serait pas une bonne idée de rester là pour le moment, pour voir un petit peu comment il se... Ok, on en a un là. On en a un deuxième un peu plus loin. Ou est-ce qu'on attaque de front? Parce que de toute manière, on part du postulat sur lequel on va se faire quand même repérer. Donc, est-ce que ce serait pas une meilleure idée de partir, de surprendre le premier et d'aller de front? Je sais pas, j'hésite. Parce que là, on est potentiellement pas trop mal mis, en fait. Oh, allez, fuck it, on va leur mettre du plomb dans la cervelle. Allez. Bim, voilà. Ok, allez, on y va. Rien à foutre. Ok, on en a buté un. Alors, l'autre, il est là. Il y en a un autre à l'étage. Allez, allez, allez. Allez, il faut sortir. Ok, un deuxième. Voilà. On a encore 9 balles, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Mais il faut bouger par contre, c'est ça. Il faut pas rester tout le temps au même endroit parce que sinon on se fait... surprendre avec le surnombre. Bon, ils sont où? Oh, c'est très malin de passer en plein milieu du chemin, mais bon. Allez, voilà. Merde, 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 merde. J'adore comme il court et puis il sprint derrière nous et puis après il court en mode normal, tout va bien. Ok, bon. On entend encore des voix, décidément, il y en a bladé ici. Où est-ce qu'ils sont? Je pense que le rez-de-chaussée a été nettoyé. Hein. Je pense que c'est au-dessus. Et je pense que au-dessus, il doit pas y en avoir autant. Enfin, j'espère en tout cas. Ah, si, il y en a encore un en dessous. Et sinon, je vois personne d'autre. Ici, en tout cas, à l'étage, je vois personne d'autre ici. Est-ce qu'il va monter? S'il monte, on va le choper par derrière. Ah merde, oui, il y a un autre ennemi là-bas. Et il y en a un autre derrière. Allez, bim! Voilà. Ça fait déjà en moins. Allez. Ah merde, ça fait mal. Oh, fais chier! Ah oui, c'était celui qui était monté. Dégage, saloperie! Oh purée, on prend cher! Non, 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 je vais pas crever! Je prends une balle, je crève. Je sais pas si c'est malade de se soigner maintenant parce que. Ils vont prendre l'avantage. Ah purée, il y a trop d'ennemis, c'est un truc de fou! Ça fait mal, ça fait mal!
que je fais? Est-ce que je suis en train de flipper? Je me demande si je me soigne. Bon, il va falloir que je me soigne, j'ai pas le choix. Merci Ellie de me couvrir avec tes bouteilles. Tu prends des risques complètement fous, mais bon, merci quand même. Ok, en moins. Et on est full life, c'est magnifique. Ok, il est là. Bim. Oh, je l'ai mis dans la tête, hein, non? Oh, fais chier. Je vous avais pas vu cela. C'est ce que je disais, il faut absolument pas rester trop longtemps au même endroit parce que sinon on se fait surprendre par le nombre en fait. Et franchement, heureusement que je joue pas en difficile parce que je serais mort déjà depuis très longtemps. Bim. Ça c'est en plein dans la tête ça. Voilà. Bon, on a été un peu bourrin, on a pris des risques inconsidérés, on a failé, mais on a fini par passer cette zone. Enfin, je pense qu'il n'y a plus personne, visiblement, ici. Je pense qu'on est plus ou moins safe, en tout cas pour le moment. Ou alors, il doit rester un pecno dans un coin paumé, mais je pense que c'est pas vraiment dangereux pour nous. Ah, c'est classe ces affiches de films comme ça. Ok, on va pouvoir un petit peu fouiller les lieux. De la santé, c'est un peu tard puisque on est soigné, mais bon. Mais si on avait dû le faire en mode complètement fufu, ça aurait été assez ardu quand même. Hein, ouais, une bouteille, on s'en fout un peu. Et ici, il y avait un tuyau, si j'ai bien vu. Ouais. Ça peut toujours servir. Ici, est-ce qu'on a des trucs à choper? Je ne sais pas. Ouais, il y a un casier là-bas. Ok, des munitions et du scotch. Plus une note. Note d'abandon de la zone. Ok, bon, c'est pas grave. On va pas regarder ça tout de suite. Ici, on n'a rien. Là, on a du stuff. Donc c'est cool. C'est pour ça qu'il faut toujours bien fouiller les trucs, revenir même. C'est ce que, comme j'ai fait, revenir même sur ce qu'on vient de passer pour fouiller au calme en fait. Pour pouvoir avoir du stuff en veux-tu en voilà, donc et pouvoir se refaire des objets un petit peu comme on veut, donc c'est toujours plus pratique. Je pense qu'ici on avait fouillé déjà. Le milieu, c'était où on s'était fait surprendre complètement de manière complètement ridicule. Ok, donc là c'est des briques, donc on s'en fout. Je pense qu'on a tout fouillé les amis, donc on va monter. Ah non, il y avait une note là-bas. Liste de contrôle des candidats. Ouais, ok. Bon, je présume que c'est pas très important. Ouais, ok. Bon, si on en a besoin, on y reviendra. Mais je pense que ça doit pas être super important. Alors, ici, au-dessus, est-ce qu'on a des trucs? Est-ce qu'on a des trucs qui valent la peine? Pour le moment, rien de fou. Ici, on voit un truc qui brille au loin, mais c'est une bouteille, donc ça ne sert pas à grand-chose. Ah, on avait encore un ennemi, en fait. Alors, toi, tu vas prendre pour tous les autres. Et c'est là que c'est lui qui va me... C'est lui qui va me doser. Allez, 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 allez. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Oh, joli, Ellie. Merci pour la bouteille. Bim. Voilà. Sur l'infini et au-delà. La survie à tout prix. Excuse-moi. Starlight. Ouais, ça vient surtout de Bob l'éponge, moi. De Buzz l'éclair, pardon. La survie à tout prix. Ouais. Bah ouais, la survie à tout prix, ouais. Ça, c'est clair que... On en est plutôt là, hein. Bon. Je pense qu'il va falloir aller par la porte du fond. Mais... Je regarde toujours si
On n'a rien raté. Là-bas, on n'était pas allé. Donc, je pense pas qu'il y a des trucs super importants. Mais bon, on va quand même regarder s'il n'y a pas des petits trucs pour faire du craft. Regarde un peu tous ces livres. J'aimerais avoir plus de place dans mon sac à dos. Alors, comme ça, t'aimes lire, hein? Oui, mais tu n'as pas un sac à dos à la Skyrim. Ok. Ah, une barre de santé. Merci. Ok, je pense qu'on est paré pour la suite, les amis. On a un petit peu déconné, mais bon. Allez, on va se refaire un sur un. Et on peut se faire une fumigène. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Ouais, non. On va garder nos trucs pour le moment, en tout cas. Parce que de toute façon, on n'est tellement pas furtif. Ah, laisse-moi tranquille avec tes blagues à la con. Ok, bon, ça a l'air d'être dehors. On retombe dehors ici. C'est plutôt cool. On va pas sauter, on va pas faire les cakes. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Bon. Alors, je pense qu'on va retomber sur encore des ennemis. Blindés d'ennemis. Ok, porte bloquée. Alors. Tac, pour le moment, ça a l'air d'être relativement tranquille. Du coup, on peut regarder si on a rien. Ouh, ça passe. Hein? Il faut vraiment être cinglé pour pendre des soldats. Quand ils sont désespérés, les gens sont capables du pire. Oh purée. Et les gens qui se sont rebellés, c'est ceux contre qui on se bat maintenant? Bien possible. Ouais, il y a des chances, ouais. Allons voir où ça mène. Bon. Eh bien, on va voir où ça mène et puis on finira. Ah ben, ça mène nulle part. Ah ben si, voilà, ok. On finira gentiment l'épisode là-dessus, les cocos. Fais attention en sautant. Voilà. Ah, des pilules. Ouais, des médocs. Est-ce qu'on. Ah ben on a rien. Ouais, oui, on a rien de spécial pour améliorer. On n'a que 5, 5, 5 médicaments, donc ça sert à rien. Pour le moment, en tout cas. Bon, on n'a personne, donc on va pouvoir continuer. Et on voit où ça mène. Et puis on se dira au revoir, les amis. Et on verra ça pour un prochain épisode. Baisse-toi, baisse-toi. Ok. Je crois pas qu'il nous ait vus. Pour le moment. Et voilà les amis, fin de l'épisode 14. On va suivre, on fera ça la suite très bientôt. On va, à mon avis, encore devoir faire face à des petits des petits salopards équipés comme c'est pas permis. Et on va pouvoir leur régler leur compte. Enfin, on va essayer en tout cas. Donc j'espère que l'épisode vous a plu. Si ça vous a plu, ben n'hésitez pas. Vous savez ce que vous avez à faire. Je vous fais de gros bisous. Merci pour votre fidélité, les gars. Et ben voilà, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous encore une fois. Allez, salut, salut. C'était Fachram. Ciao, ciao.